Yop les gens, c'est Siokos pour une nouvelle vidéo sur Call of Duty Black Ops 2. Donc on est sur la map Standoff en MME. Donc ça va être un nouveau concept. Donc dans cette vidéo, on va parler de comment débloquer ces score streaks assez facilement et rapidement. Donc en MME, c'est vraiment difficile de les débloquer parce qu'on a une moyenne de 5 minutes pour les débloquer. C'est vraiment difficile. Donc moi je vous conseille, regardez la classe que je vous conseille à l'écran. Donc je vais détailler ça. Donc j'ai utilisé la PDW 57, le silencieux, le viseur laser et le garde-main. Donc moi je conseille trois accessoires parce que je suis habitué à en prendre trois vu que je prends pas d'armes secondaires ni de grenades ni de flash. Donc on va tout de suite passer aux atouts. Donc le premier atout, je prends poids léger pour courir plus rapidement. En atout 2, je prends pillard pour récupérer mes balles. Donc ce qui est vraiment plus appréciable quand vous êtes en série. Parce que quand on n'a pas pillard, c'est un peu la misère de récupérer des munitions. Donc en atout 3, j'en ai pris 2. Donc j'ai pris dextérité pour viser plus rapidement quand les ennemis sont assez loin. Et j'ai pris ingénieur pour pas me faire tuer par les bêtises. Et les décharges électriques et tout ça. Donc voilà. Donc dans cette vidéo, je vais vous apprendre un peu les techniques que j'ai utilisées pour débloquer tous mes score streaks. Donc je vais vous laisser un peu découvrir le gameplay. Donc en attendant, je vais vous parler un peu de ma chaîne. Donc je vous remercie, vous êtes déjà 930 abonnés, ça me fait vraiment super plaisir. Je pensais jamais atteindre ce nombre d'abonnés là. C'est vraiment un truc de taré. Donc j'espère atteindre les 1000 abonnés. quand je vais atteindre les 1000 abonnés, je sais pas ce que je vais faire comme vidéo. Donc laissez-moi en commentaire des idées de jeux vidéo pour un live. Je pense faire un live genre je sais pas, 1 heure de live sur un jeu. Donc ça va être un live, mais je vais commenter en live, mais ça va pas être un live stream parce que voilà, les live stream ça prend un peu trop de connexion, tout tout tout. Donc là j'ai pas encore commencé ma série pour faire mes score streak. Donc j'avais pris l'aéronef, l'Oderstar et la DAF de combat. Donc quand vous avez l'aéronef, il vous suffit juste de faire un kill à la mitraillette et après vous attendez que votre aéronef vous rapporte des points. Après vous avez l'Oderstar et en même temps vous avez le ADAV. Donc voilà. Donc aussi, si par exemple l'ennemi a par exemple un aéronef, je vous conseille de tirer dessus et de se cacher, je sais pas, comme je sais pas, pour pas se faire défoncer par l'aéronef. Donc là, en l'occurrence, c'était un drone d'escorte. Donc mes alliés plutôt étaient en train de tirer dessus. Donc je me suis dit autant tirer dessus et comme ça on sera débarrassé de ce drone d'escorte. Donc c'est moi qui l'ai abattu. Donc là c'est le week-end double XP. Donc là, sachant que j'ai monté un prestige en une, je passe un prestige en une journée, j'étais vraiment content. Et c'était aussi le week-end gratuit pour tout le monde sur Steam. Bon là ça sera terminé au moment où vous regardez la vidéo, mais voilà. Donc là je commence ma série. Donc là j'ai fait une grosse feed, je crois que c'est une quad feed. Donc c'est bon, je mets mon aéronef. Donc là je vais un peu attendre pour pas me faire dégommer et rater ma série. Donc je vous conseille de vous cacher dans un endroit en attendant que votre aéronef fasse quelques kills. Donc je suis pas resté très longtemps là, j'ai préféré aller rusher, comme ça j'étais sûr de l'avoir. Donc là je faisais vraiment attention. Donc là j'étais content quand j'ai vu que j'avais débloqué le Leather Star. Et là j'ai voulu le mettre et adapter combat. Ah, j'étais vraiment super content parce que ça, je débloque vraiment rarement. Donc là je vais faire un accéléré. Oh non, tant pis, c'est pas grave. Donc on va parler de quoi? On va parler de quoi? Donc les nouveautés YouTube. Donc apparemment dans le nouveau YouTube qui va sortir en avril ou en mai, je sais plus, et ben il n'y aura plus de background. Donc il y a déjà plusieurs chaînes
qui n'ont plus de background, comme la chaîne de iJustine, je sais pas si vous connaissez. Donc là, je parle un peu, tu sais, pour faire passer le temps, mais voilà. On peut parler de quoi? Ouais, aussi, vous pouvez m'ajouter Skype si vous voulez faire des parties avec moi. Donc moi, je suis un joueur PC. Donc je joue tout le temps PC, je joue only PC. Donc c'est bon, là, je me suis mis au ADAF de combat. J'étais vraiment super content de l'avoir, parce que c'était vraiment la première fois que je l'avais. Et franchement, c'est l'un des score streaks le plus agréable à jouer. Donc c'est bientôt la fin de ce gameplay. Excusez-moi. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à laisser des commentaires et vous abonner, ça me fait vraiment super plaisir. Et à plus.